échec chez ce spectateur qui avait appris que leur avant-centre Derel, blessé à l'entraînement le matin, ne jouerait pas et que c'est Delemer qui le remplaçait en attaque. Ici, un corner de Mousseline et la balle de la tête passe au-dessus des buts de Bertrand Demann. Lille se reprend après avoir mal débuté, mais c'est Nantes qui va marquer sur un contre amené par l'ailier gauche Amis. Amis déborde, va centrer et Barrankelli manque à moitié sa réception et sa reprise, mais trompe plus facilement de ce fait Bergerot qui s'attendait à un tir tendu. Coup franc de Marsilia, Delemer prolonge, mais le ballon est sauvé en corner. Et de la même manière que tout à l'heure, Amis amène le second but. Le ballon est faiblement dégagé. Poulain est monté en attaque, il tire le premier. Bergerot repousse et Poulain, après le rebond de la balle, arrive à temps pour de la tête mettre le ballon au fond. Et à la mi-temps, le score est de 2-0 en faveur de Nantes. Ce sera d'ailleurs le score final.